On travaille à Caen et à Rennes dans un laboratoire, une UMR du CNRS, qui s'intéresse à l'éthologie. On développe tout un tas de modèles animaux, des chevaux, du primate, et nous, à Caen, on fait du mollusque. Donc, je vais vous parler pas de bien-être de mollusques. Ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu. Donc, je vais vous parler du chercheur et de son modèle. Donc, on ne va pas parler des mollusques qui vont être pêchés dans la nature. Et puis, je vais vous parler un petit peu de réglementation et comment la réglementation a commencé à s'intéresser aux mollusques. Je vais essayer d'avoir un petit point de vue de biologiste sur la question, mais je ferai beaucoup moins bien que Georges à ce sujet. Alors, comme matière, comme discipline que j'ai choisi d'évoquer, qui est une discipline très emblématique de ces problèmes de régulation concernant le bien-être animal en recherche, j'ai choisi la physiologie du comportement, parce que la question de la physiologie du comportement concerne les relations entre le cerveau, le fonctionnement du cerveau, la description du cerveau et les comportements, l'intelligence, l'apprentissage, la mémoire. Donc, ce sont des questions qui ont largement fait appel à l'utilisation de modèles animaux. Et ça a commencé, les premiers questionnements entre système nerveux et cerveau ont commencé avec Galien au IIe siècle. Alors, Galien a utilisé comme modèle animal les gladiateurs, donc d'abord. Et puis, il a fait des petites manips sur d'autres modèles animaux. Alors, le principe, et c'était le principe pendant des siècles de cette discipline, ça a été en fait pour savoir à quoi sert le cerveau. On en coupe des morceaux, puis on regarde s'il y a des comportements qui ont changé. Alors, vous voyez, en termes de bien-être animal, c'est quand même assez emblématique. Et puis, le modèle qui a pris de l'essor et puis qui a été développé, ça a été évidemment le rat, mais tous ces animaux sont des animaux qui sont très proches de l'humain. Et ils ont été choisis parce qu'ils sont très proches de l'humain. Et il y a des débats qui ont commencé à naître. Hein. On l'évoquait tout à l'heure, Monsieur Chapoutier l'évoquait tout à l'heure aussi. Là, je vous ai mis un petit texte à lire. Alors, mes lunettes fonctionnent pas très bien avec le masque, mais Claude Bernard, l'inventeur de la physiologie, qui écrit: Il faut nécessairement, après avoir disséqué sur le mort, disséquer sur le vif, pour voir fonctionner les parties intérieures ou cachées de l'organisme. Je n'essaierai donc pas de justifier les physiologistes du reproche de cruauté que leur adressent les gens étrangers à la science. Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. Deux idées importantes dans ce que dit Claude Bernard. Moi, j'étais élevé hein, à la fac, on me parlait de Claude Bernard tout le temps pour la physiologie. Un, les savants ne sont pas des citoyens, ne sont pas des hommes du monde. Et eux ont des questions qui sont intéressantes. Et deux, les systèmes sur lesquels ils travaillent sont des ennemis qui leur cachent des choses. Donc, il faut essayer d'extraire les secrets qui sont chez les animaux. Et puis, d'un autre côté, vous avez des naturalistes comme Jean-Henri Fabre qui écrit: Vous éventrez la bête et moi, je l'étudie vivante, vous en faites un objet d'horreur et de pitié, je la fais aimer, vous travaillez dans un laboratoire de torture et de dissection, je l'observe sous le ciel bleu, au chant des cigales, vous scrutez la mort, je scrute la vie. Alors, vous voyez, les débats ne sont pas d'aujourd'hui, il y a très longtemps, et la question est restée la même. Comment fonctionne le cerveau et quelle est la relation entre le cerveau et puis les différents phénomènes très complexes qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a une approche, c'est d'étudier des modèles qui sont très proches de l'humain pour comprendre le cerveau humain. Et puis, il y a quelques collègues qui se sont dit, il y a peut-être une autre façon d'aborder le fonctionnement du cerveau, ça serait de s'intéresser à des modèles qui sont au contraire très éloignés de l'humain, des modèles beaucoup plus simples. Par exemple, des insectes ou des mollusques. On va essayer de faire des manips sur des insectes ou des mollusques. Alors, pour citer un fameux chercheur qui a travaillé sur les insectes, hein, Menzel, qui a travaillé sur l'abeille, hein, et chez le mollusque, il y a Eric Kandel, hein, qui a travaillé sur la limace de mer, la plaisie, vous l'avez en photo ici. Et puis, Gisèle Diaran, qu'on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui lui a développé un autre modèle de mollusque, c'est la pieuvre, modèle qu'on va approfondir un petit peu. Alors, il y a eu un petit peu la bagarre entre ces différentes approches, ces différents modèles, pour savoir quel était le modèle qui était le plus efficace pour comprendre l'apprentissage, la mémoire avec un cerveau simple. Et puis, celui qui a gagné, c'est la limace de mer. Hein. C'est la limace de mer parce que
Eric Kandel a eu le prix Nobel en 2000 grâce à ses travaux sur les mécanismes unitaires et cellulaires de l'apprentissage et de la mémoire en utilisant la limace de mer, donc la plésie. Les cellules, les neurones de la plésie, on arrive à les voir à l'œil nu. C'est quand même beaucoup plus simple de mettre des électrodes dedans. Alors, dans les arguments qui étaient utilisés par Eric Kandel, il y en avait trois. Il y avait la simplicité du système nerveux, on y reviendra. La simplicité des comportements, ce sont des comportements qui sont relativement faciles à interpréter. La facilité d'élevage, hein, ce n'est pas très compliqué à élever. Et pas de contraintes réglementaires. Ça veut dire qu'on peut, en gros, utiliser des électrodes sans se poser trop de questions réglementaires, savoir si on a le droit ou pas. Donc ça a fait avancer la science, le fait que la réglementation ne soit pas appliquée sur les applis. Alors pendant que les chercheurs cherchaient, Kandel et les autres, l'Union européenne s'est emparée de ces problèmes d'uniformisation réglementaire. Je pense qu'on en parlera largement aujourd'hui. D'abord par une directive qui est parue en 1986 sur le bien-être des animaux de laboratoire, et puis une directive qui est... la directive a été retravaillée, et puis une nouvelle directive qui est parue en 2010, qui a été appliquée en 2013 en France, sur une réglementation sur le bien-être animal. Et entre ces deux directives, ça a été pour nous une révolution. Alors, je l'ai vécu en direct. Moi, je suis arrivé entre les deux directives. Alors, ça a été une révolution. Je passe très vite. On y reviendra. Enfin, vous y reviendrez. Des collègues y reviendront sans doute. Parce que la directive de 86, c'était une no positive list. C'est-à-dire que tout ce qui était en dehors de la directive n'était tout simplement pas réglementé. Donc, c'était une directive qui était très facile à contourner. J'ai vécu ça en direct quand j'ai commencé ma carrière. En 2010, c'est une liste positive, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas décrit dans la directive est interdit. On ne peut pas contourner la directive. Donc ça, c'était une première évolution, il y en a eu d'autres, comme par exemple, et ça va être un thème de débat, je pense, ce matin, que les animaux qui sont dans la directive doivent tous être traités, pas comme des animaux sensibles, comme des animaux sentients. Et je pense que tout à l'heure, on entendra parler de cette différence entre sentience et sensibilité. La sentience, c'est la capacité à éprouver des choses, douleur, subjectivement. D'accord ? Il y a une grosse différence entre sensibilité et sentience, pour nous, en éthologie en tout cas. Vous verrez à la conférence tout à l'heure, et ça a été évoqué, le problème a été évoqué. Troisième révolution entre ces deux directives. Donc, pareil, ça sera peut-être évoqué par ailleurs. On va considérer le bien-être des formes larvaires, des vertébrés, des poissons, etc. Et puis les formes fœtales. Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de cette disposition. Et l'introduction pour la première fois au niveau de l'Union européenne des céphalopodes. Ce sont des mollusques, donc les pieuvres, les calmars, les seiches et les nautiles. En une journée, en 2013, le jour d'application du décret en France, il y a eu 800 espèces supplémentaires qui ont été incluses dans la réglementation. Et je vous dis, ça a été très compliqué au niveau de l'application. Donc vous voyez, c'est les premières espèces invertébrées qui sont intégrées dans la réglementation. Pourquoi les pieuvres ? Il y a 2,5 millions d'espèces d'invertébrés, il y a 50 000 espèces de vertébrés qui sont protégées. Pourquoi dans les 2,5 millions d'espèces d'invertébrés, pourquoi les pieuvres ? Donc on va se poser la question. Alors au début, alors ça je l'ai vécu aussi un petit peu en direct, on est allé à Bruxelles, on nous a expliqué, on nous a dit, donc on a fait la proposition que les céphalopodes devaient être intégrés dans la directive, et puis les premières réactions des comités d'experts, dont j'ai fait un petit peu partie, mais on n'est pas très nombreux, donc c'était pas très difficile de faire partie de ces comités, pas suffisamment de preuves scientifiques, l'amendement a été refusé. Les autorités, alors je ne sais pas du tout comment on les appelle, par quel processus ça passe, les autorités sont remontées au créneau avec deux types d'arguments qu'on nous a exposés, que je vais vous décrire et qu'on nous a exposés. Donc, pour nous expliquer qu'il fallait considérer que les pieuvres sont sentientes, il y a eu deux types d'arguments. Un type d'argument qui concernait l'opinion publique et les décisions politiques de l'Union européenne, et le deuxième type d'argument qui concernait l'avis des experts scientifiques. Donc je vais vous parler de ces deux types d'arguments. Alors, du côté de l'opinion publique et de la politique,
l'intention de l'Union européenne était de se situer en leader au niveau réglementaire sur ces histoires de bien-être animal. Les pieuvres étaient déjà protégées dans différents pays, le Danemark, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Grande-Bretagne. Donc, ils ont voulu vraiment intégrer cette partie. Donc, pour ça, il n'y avait pas trop de discussion. Deuxième argument, l'opinion publique, c'est-à-dire celui à qui appartient la recherche, le contribuable. Donc, des questionnaires qui ont été mis à disposition des citoyens. Donc, je vais vous donner un exemple de question qu'on nous a présenté à nous. Alors, pour chacune de ces espèces utilisées en expérimentation, pensez-vous qu'il est important d'augmenter le niveau de bien-être ou de protection ? Type de question. Et voilà les statistiques de la réponse. Je ne sais pas si ça apparaît. Oui. Alors, vous voyez tous les animaux qui sont ici à gauche, les singes. En bas, vous avez la mouche. Et puis, vous voyez tout ce qui est en bleu, en violet, en jaune. C'est, on considère qu'il faut faire très attention et intensifier la réglementation. Et vous voyez que dans cette liste, eh bien, les pieuvres atteignent le même niveau de sensibilité par rapport au public que les animaux vertébrés. Petite remarque qu'on peut faire, c'est que ce questionnaire a eu 42 655 réponses sur un total de 445 millions d'habitants dans l'Union européenne. Donc je ne sais pas s'il était très représentatif de... Et pour vous donner une idée, en France, il y a eu 7% des réponses, en Grande-Bretagne, 35% des réponses. Alors, ça ne correspond pas du tout à la proportion. Alors, les réponses au questionnaire, 26% d'hommes, 74% de femmes ont répondu au questionnaire. Alors, vous voyez, au niveau de la représentativité, mais très honnêtement, moi, si j'avais eu ce questionnaire, je ne savais même pas qu'il existait, mais si j'avais eu ce questionnaire, je pense que j'aurais répondu à peu près de la même façon que les citoyens qui ont été occupés. Alors, du côté des experts scientifiques, maintenant, alors ça nous concernait plus. Pourquoi les pieuvres et pas les autres invertébrés ? Le premier argument qu'on nous sort et qu'on a sorti, c'est la taille du cerveau. Alors, pour vous donner une idée, la plysie, dont je vous parlais tout à l'heure, la petite limace de mer, c'est 20 000 neurones, 20 000 cellules nerveuses dans le cerveau. L'abeille, dont Florence Burga a parlé, 950 000 neurones. Et les pieuvres, c'est entre 300 et 500 millions de neurones. Donc ça a été l'argument fort pour dire il y a un gros cerveau, donc c'est un animal qui est sensible, qui est sentient. La question reste posée sur est-ce qu'il y a une relation entre la taille du cerveau et la sentience. Un cerveau, c'est pas un cerveau d'invertébré, c'est pas comme un cerveau d'humain qui est dans une boîte crânienne. C'est un cerveau qui est disséminé dans tout le corps. Quand on regarde un nombre de cellules nerveuses, c'est très compliqué. La structure du cerveau est complètement différente de celle d'un vertébré. La conscience chez un vertébré est associée à l'activation de certaines structures qui sont analogues entre un oiseau et un humain. Donc on arrive à, chez un invertébré, la structure est complètement différente. C'est très compliqué de trouver des analogies morpho-fonctionnelles entre les vertébrés et les invertébrés. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Taille du cerveau, puis pareil, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui ont beaucoup, beaucoup de neurones ? Je pense à une fourmilière, par exemple. Une fourmi, ça n'a pas beaucoup de neurones, mais une fourmilière entière, qui est considérée par certains organismes, par certains biologistes, comme un organisme en tant que tel, est-ce qu'on doit considérer l'ensemble de la fourmilière ? Le monde des invertébrés, ça nous fait nous poser des questions qu'on ne se posait pas du tout avant. Alors, nociception, sensibilité à la douleur, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vais vous montrer un petit film. Alors, c'est un poulpe australien, c'est un poulpe à anneaux bleus. Vous allez voir, un poulpe qui est mis, qui fait un petit combat de boxe avec un crabe. Et le crabe a eu l'astuce d'arracher des petites anémones de mer qui font mal au poulpe. Et puis, le crabe va utiliser ses petites anémones de mer. Vous voyez, le crabe est ici avec ses petits gants de boxe là, en anémones de mer. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Un poulpe a une forme de sensibilité. On le voit simplement en regardant des poulpes vivre dans la nature. C'est pas la peine d'utiliser des chocs électriques, quoi. Vous voyez, le petit crabe qui essaie de lui... Et il va gagner, hein. Le crabe va gagner. Tac, KO. Vous voyez, le poulpe réagit tout de suite à la douleur. Donc la sensibilité, il n'y a pas de question.
Et chez les invertébrés, la sensibilité est très largement généralisée à partir du moment où il y a un système nerveux. Et certains pensent que chez les végétaux aussi, il y a une certaine forme de sensibilité. Donc vous voyez que c'est un problème qui est complexe. Mais la sensibilité est quelque chose de toute façon très, très général dans le, chez les organismes vivants. Alors, autre argument, l'apprentissage, la mémoire, ce qu'on appelle l'intelligence. Les pieuvres sont considérés comme des animaux qui sont extrêmement intelligents. Je vais vous montrer un exemple. C'est une collègue allemande, Frédéric Hank, qui apprend à faire de l'apprentissage discriminatif chez une pieuvre. Vous voyez, elle présente deux objets. Et puis, il y a un petit renforcement ici, une petite récompense. Vous pouvez apprendre très facilement à une pieuvre à préférer un objet qu'un autre objet. Vous pouvez tester sa mémoire. Vous allez voir qu'il y a une mémoire qui est extraordinaire. Puis, c'est connu. Il y a plein. Vous tapez sur Internet, intelligence pieuvre. Vous allez voir pléthore de choses. La question qu'on peut se poser, je vais peut-être être un petit peu provocant, c'est est-ce qu'il y a un lien entre intelligence et sentience ? Est-ce que parce qu'on est intelligent, on est sentient ? Alors, je vais mettre une petite photo un petit peu provocante, mais moi, il y a quelque chose que je connais chez moi qui est super intelligent, c'est mon aspirateur, apprentissage spatial, mémoire, capacité d'anticipation, les comportements de mon aspirateur semble montrer que c'est quelque chose de très intelligent. Est-ce qu'il est sentient ? Donc, est-ce que l'intelligence, c'est une preuve de sentience ? Je vous rappelle que Descartes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, utilisait les performances d'intelligence de l'animal pour montrer que l'animal était une machine. Donc, l'intelligence et la sentience, ça reste des arguments qui sont, d'un point de vue de l'éthologie, qui restent discutés. Alors l'autre piste de recherche, alors ça c'est ce qu'on essaie de développer depuis l'année dernière avec un collègue de Taïwan. On s'est intéressé aux émotions, on travaille sur la sèche, donc les émotions chez la sèche. On essayait de se dire, voilà, intelligence ça suffit pas, sensibilité ça suffit pas. Est-ce qu'on peut, en utilisant le versant émotionnel, avoir des indications objectives sur l'existence d'une forme de sentience, donc de conscience de ce que l'animal perçoit. Donc ça fait un an qu'on travaille dessus, à peu près. Avec les petits problèmes de Covid, ça a été un peu compliqué. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler... Alors vous savez que ce sont des animaux qui changent de couleur. Je vais vous montrer à quoi peut ressembler une réaction émotionnelle chez une sèche. Alors vous allez voir une sèche qui va capturer un crabe. Tac. Vous avez vu, changement de couleur ? Ouais, on va peut-être manquer de temps. Là, c'est une manip qui est actuellement en cours, qui est faite par une collaboratrice sur les changements de couleur qui interviennent lors des événements positifs. On va travailler sur des émotions positives et pas sur le stress et des émotions négatives. Vous allez voir des petits motifs qui vont apparaître sur le dos de l'animal au moment où elle capture une proie. Ça met un petit peu de temps. Elle ne sait pas que je suis en conférence actuellement. Donc. Vous voyez ? Elle va changer de couleur. Et puis, notre collaboratrice étudie ces changements de couleur pendant la consommation de la proie et au cours de différents événements. Et il semblerait qu'effectivement, les couleurs qui apparaissent sur le dos de l'animal puissent refléter des choses qui sont d'un ordre émotionnel. On pourra en parler, si vous voulez, un petit peu tout à l'heure. Alors les émotions, pareil, grande question, est-ce qu'il y a une relation entre émotion et sentience ? Il y a tout un tas d'animaux qui vont exprimer des émotions, y compris des fourmis, auxquelles on n'attribue pas forcément des capacités de sentience et de conscience de la douleur. C'est pour ça qu'on va travailler sur des émotions positives. On pense que du côté des émotions négatives et du stress, il y a beaucoup de travaux, à mon avis, qui ne sont pas très très convaincants de ce côté-là. On pourra en parler, si vous voulez, tout à l'heure. En conclusion... Trois choses. En bioéthique, est-ce que c'est toujours la loi qui court après la science ? C'est ce qu'on voit dans les sciences biomédicales, où les scientifiques trouvent des choses, et puis la loi essaie de courir après les scientifiques en disant « bah oui, ça, on va en faire ça, ça ». Ben, vous voyez que pour le bien-être animal, et pour les pieuvres en particulier, c'est la loi qui est intervenue, et puis des questions qui se posent à nous, et on est encore en train de développer des recherches pour savoir si la loi, et si on doit considérer les animaux comme sentients. Donc là, c'est un petit peu le scientifique qui suit la loi et on n'a pas vraiment des réponses à toutes les questions qui pourraient être posées. Deuxième question, avec la protection des pieuvres.
les espèces qui devraient être considérées comme sentientes, je suis d'accord, hein, le droit de l'animal, etc. Mais la frontière, elle est où? On s'arrête à quelle espèce? Quand on parle d'abeilles, là pour l'instant, il y a tous les vertébrés, plus les pieuvres. Mais quid des autres animaux? Et c'est quoi cette frontière? Comment on la matérialise? Entre sentience et non-sentience, est-ce qu'elle est cognitive? Est-ce que c'est la taille du cerveau? Est-ce que c'est... On n'a pas de réponse. Et c'est une question qui n'est jamais abordée. Et c'est quoi ce problème de frontière? Et la troisième question, c'est le futur de la loi. Vous avez vu dans le petit graphique sur les questionnaires aux citoyens, l'espèce qui apparaissait juste après la pieuvre, c'est le homard. Pourquoi le homard? Pas parce qu'il a un gros cerveau, parce qu'il est très intelligent, parce que pour le contribuable, donc pour les gens qui font la loi, pour les gens à qui possèdent nos recherches, bah le homard se met dans l'eau bouillante. La pieuvre, je pense qu'elle a été très sensibilisée parce que les gens ont vu des pieuvres être claquées sur les ports. Et je pense qu'il est très, très important que d'écouter le citoyen, d'écouter le contribuable, nous les scientifiques, avant qu'on nous dise, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de preuves pour... Et c'est exactement ce que l'Union européenne a permis dans sa réglementation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie infiniment.